11e épisode dans The Crew. Alors après avoir terminé les courses en freestyle, en pro racing, on va s'attaquer au off-road. Quelques courses qui nous restent pour avoir accès au duel. On va faire les choses dans l'ordre. Rally Raid. On va voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. Sois prudent en traversant les vignes de ce parcours. Il y en a qui m'appartiennent et j'ai pas envie que t'écrases mes beaux raisins. Pieds nus, d'accord? Mais avec tes pneus, non. Désolé pour les vignes, hein, mais elles vont être massacrées. C'est plus safe aux arbres et aux rochers. C'est foutu. Encore les vignes. La tire de la course. Joli, ça me rappelle un niveau dans Hitman 2, qui est le jeu qui m'a fait découvrir la série Hitman. Je me souviens, il y avait un mec qui livrait des fleurs, on pouvait le tuer, lui piquer son costume et ses fleurs et rentrer dans la maison. Jamais dû prendre ce passage-là avec les armes, j'aurais dû prendre le haut. Je pense que c'était plus safe. Faut arriver à trouver les grands axes. On voit qu'il n'y a pas d'arbres. S'y glisser. Ah, une route. Encore une fois, on a le choix entre route et... Et moi qui aime pas les arbres, je prends toujours le meilleur choix. J'ai pas envie de faire de détour. Je vais t'expliquer un truc. Ce championnat, ça représente pas mal de choses. Ça représente de la notoriété, des sponsors et de l'argent. Beaucoup d'argent, tu vois. Et je sais d'expérience que tous les pilotes, y compris toi et ton copain héros, ils aiment ça. Le problème, c'est que dernièrement, tu fais pas du tout honneur à l'équipe et on est derrière au classement. Alors pense à tout ce qui est en jeu la prochaine fois que t'auras envie d'aller renifler les fleurs sauvages, ok? Well. Je les comprends pas bien, Tucker et ses potes. Ils disent qu'ils aiment la nature et après ils s'éclatent à bien rouler dedans avec leur gros V8. Je sais pas, ça me paraît pas très logique. Faut être cohérent.
D'ailleurs, en parlant de cohérence, ce serait bien que tu gagnes de manière constante. N'oublie pas que l'important, c'est de pas perdre ton chemin. Ça, je suis d'accord. Malgré notre petit décalage de puissance du véhicule, c'est une bonne chose. Un peu ma crainte. Est-ce qu'atteindre la moitié de la course? Merde. Oh là là. C'est le Rachiri, c'est ce qui vient de m'arriver. Je les ai pas vus, ces putains de trous. Ah d'accord, c'est le bord des tremplins. L'objectif reste derrière pour l'instant. Oh là là. C'est quoi ce bordel? L'explication. C'est là où j'ai commencé à en chier pour rattraper mon retard. S'il vous plaît. Oh putain, j'aime pas ça.
Ouais, mi-peur, hein, mi-parcours. Pas pouvoir refaire mon retard. Dernière course de cette série, Yellowstone. Ce que j'aime dans le rallye raid, c'est que t'es livré à toi-même. Il n'y a que toi et la route. Chaque pilote doit trouver son propre itinéraire, et le vainqueur, bah, c'est celui qui rejoint le plus vite l'arrivée. Et quelle que soit la manière dont il s'y prend. Ça marche dans les courses, comme dans la vie. Putain, cette côte. C'est de malade. Je sais pas ce que tu fous, mais tu fais mieux d'arrêter. Très gentil ce qu'il vient de dire. Il
chemin le plus safe. Encore faut-il que mes petits yeux l'identifient. Ça partout. Oh là là, il y a des armes. Oh putain, la coup de chat. Je n'ai pas tapé. Hein. Bon bah une première partie catastrophique et une deuxième plus heureuse. Je sais pas ce que tu fous, si t'as suivi des conseils à la con ou quoi, mais je dois dire que je suis déçu, mec. C'est grâce à moi si t'as fini aussi loin, et j'ai l'impression que tu veux me laisser tomber. Hey, tu vas quand même pas me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Dis-moi que c'est pas vrai. Trop bizarre les commentaires. Ah, on dirait qu'on a trouvé nos amis les bisons. Alors, où est-ce qu'on peut en trouver? Moi, personnellement, alors on est à gauche de Chicago, plus particulièrement à Yellowstone. C'est écrit ici, il y a une course Rally Raid qui porte le même nom. Et en prenant la direction finalement de la course hein, que l'on y fait, que ce soit ici ou un petit peu plus haut, en se baladant, on finit par trouver des bisons. Notre album photo qui se complète. On en a fini avec le rally raid, maintenant motocross. J'adore les courses à LA. Il y a toujours plus de public dans les grandes villes. Ça veut dire plus de gros sponsors, sans parler des ventes de t-shirts, casquettes, DVD, etc. Et puis surtout, tu peux dormir dans un vrai hôtel et pas un de ces trois haras de campagne. Tu vas gagner fastoche les mains dans les poches. Devine qui est en tête de la course. C'est Bibi, je sais. J'ai l'impression qu'on vient juste de faire un seul petit tour. On va attaquer le deuxième.
J'arrive à rester le plus droit possible. J'ai l'impression que le deuxième tour s'est mieux passé que le premier. Un peu moins chahuté. Petit cadeau. J'aime pas dire du mal des gens, mais tu devrais peut-être repenser ton deal avec Wade. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Pas la famille, ni toi. Et s'il dit qu'il est juste là pour te conseiller, je suis sûr qu'il est bien content que tu lui ramènes des points. J'ai quelques points de pilote à... mettre. White Mountains. Sans qu'on va être dans la neige, non. Qu'est-ce que je donnerais pour que tu l'éclates devant tout le monde? J'en peux plus de son numéro de hippie, vegan, new age, tout ça. Ah, pas l'air d'avoir de neige. Deuxième tour.
sur le côté. J'ai pas été trop inquiété. The tattoo contest starts in half an hour. Show off your racing ink and win a great prize. Ça fait disponible. Oh. Wade veut nous voir le plus vite possible. Il m'a l'air bien énervé. Tu crois que c'est à cause d'un truc qu'on a fait? C'est moi récupérer mon loot. C'est tout ce qui m'intéresse. Allez, on va continuer d'améliorer notre moto avant la confrontation. Stresse pas, c'est Tucker qui va gérer la course. Je l'aime pas, mais il sait piloter. S'il est pas devant toi, il sera juste derrière. Alors t'attends pas à ce qu'il te laisse gagner. Tu vas devoir te battre. Comme un vrai pro, dis donc. N'attendez pas à ce que tu sois aussi naze. Merci. Pour me passer devant. C'est l'air aussi, mais ça marche pas terrible. Donc, il vaut mieux rester quand même sur la piste. Hein. On se retrouve à l'arrivée.
arrivé un peu cocu sur ce coup là quand même, hein, vous l'avouez. Tucker est déjà là, ce que je vois. Ce hippie à la con, il l'a pas encore compris. C'est peut-être encore lui champion, mais nous, on est le futur. Facile de te dépasser, mais c'est pas impossible. Je sais pas ce que c'est que lui là. Putain, j'ai bien cru que j'ai pas pouvoir passer. Ah, c'est vraiment casse-gueule là. Pas donner des coups de tatane aux mecs. On est devant. On est devant, mais c'est. Il est chaud, hein. Oh là là, je suis là-dessus. Quel dommage. Bon, faut qu'on finisse dans les 3 points de toute façon. Épreuve Squad X. Tiens. J'aurais jamais cru qu'un techno comme Tucker serait intéressé par une course en ville comme celle-là. J'ai hâte de devoir le renvoyer dans sa campagne.
J'ai l'impression que dans cette course, il y a un petit peu moins de boss. Un petit peu plus de... grande ligne droite. Qu'est-ce que ça donne sur le long terme? Pour l'instant, il me... avance. Alors c'est le seul truc que je reproche à ce type de boss, parce que c'est assez sympa, c'est la non-maîtrise de certaines réceptions, notamment ça me fait partir complètement. Dernière course. Eh ben, il y en a qui se sentent plus pissés. Je vais te dire un truc. Je t'ai appris tout ce que tu sais en motocross, mais pas tout ce que je sais. Du coup, mon record est tranquille. Et d'ailleurs, t'entends ça? C'est le bruit des secondes qui te restent avant de perdre. Allez, bonne chance.
Avec les gros 4x4 mais avec des motos. Obligé de mettre autant d'armes. Et sérieux, mais pourquoi la moto elle s'est barrée sur, sur le côté comme ça? C'est impeccable. Vol, vol comme l'oiseau. En fait, si tu veux comprendre ce pays, faut vraiment pas que t'aies peur d'y aller. Apprends à te repérer dans la nature. Fais du cross, comme quand j'étais tout jeune. Tu verras que les villes, c'est quasiment ce qu'il y a de moins intéressant. Rien d'autre que des attrapes touristes construites sur des parkings. Faut sortir des villes pour voir tout le reste. Du nord au sud, East Coast, West Coast. Et c'est parti pour le duel. Faut que je te dise, Hiro, j'aime pas trop ce qui se passe. Les relations entre moi et ton pilote sont, comment dire, un peu tendues. La faute à qui, hein? De mon point de vue, tu penses qu'à ta gueule depuis qu'on est associés. Alors si on en est arrivé là, c'est de ta faute. On s'en fiche de qui est coupable. Il nous faut une solution. Normalement, quand un pilote me gonfle, je le vire. Mais ton pote, il est un peu trop populaire. Voilà ce que je propose. Une course, un contre un, pour régler nos comptes. Et si je perds, je me casse. Mais si je gagne... Tu sais quoi? D'accord. Sans la testostérone. Parti. On va retrouver des morceaux de toi partout sur le circuit. C'est pas de la vie.
les morceaux qui ont retrouvé. On va à toi, à moi. Tu crois pouvoir te passer de moi ? Bah tu te trompes. Franchement, je pourrais te dépasser les yeux fermés. Je t'avais dit que tu pourrais pas me battre. Changement de caisse. Bah dis donc, tu tiens le coup plutôt pas mal. Marrant comment que la barrière m'a arrêté alors que... 10 mètres à côté, je l'explose. Encore 2-3 km et tu rentres chez toi. Justin. Eh hey, mais il s'est passé quoi là? On avait un deal, Wade. Tu perds, tu dégages. T'as plus qu'à respecter ta part du marché. Ah non. Pas question. Même pas en rêve. Et c'est quoi ce deal? Y a quelqu'un qui sait de quoi il parle? Oui, moi. Et puis je suis pas toute seule aussi. Ferme-la, espèce de... Vous avez rien entendu. Essaie pas de te défiler, Wade. Tout le monde t'a entendu accepter le pari. Tu vas quand même pas oublier ta promesse? Vous savez quoi? Vous avez raison. Je me casse. Mais vous avez pas fini d'entendre parler de moi. C'est pas les routes qui manquent dans ce pays. Bon. Bah, il reste plus qu'un point à régler. En battant Wade, t'as eu assez de points. Mais tu les as eus en battant Wade. Si tu veux le titre de champion, va falloir me battre moi. Détends-toi, Tuck, on n'a rien contre toi. Et j'ai rien contre vous. Mais il faut bien qu'il y ait un champion. Alors on va faire une dernière course, face à face, pour voir qui est le meilleur en off-road. Quand vous serez prêts, bien sûr.
Allez, on va voir qui est le vrai champion. Commence bien. Déjà, tu conduis 10 000 fois mieux que Wade. Essaie de revenir maintenant. Je comprends pas, des fois la maniabilité est dégueulasse. On voit rien ce qui se passe, il y a des fois ça... Ça revient, c'est très... Voyons ce que tu penses de ça. Ah, il a dû bouffer un arbre. Ah! Putain, puis alors moi je m'en bouffe un bien. Putain, c'est agaçant. Bouffer un arbre qui non seulement nous arrête mais nous empêche de redémarrer. Je veux dire, je pense qu'il a. Est-ce qu'il a merdouillé lui? Mais bon, on va pas se plaindre. J'allais pas y arriver. Bravo. Big up à toi, c'est toi le champion. Et tu nous as débarrassé de Wade en plus. Coup double. Et pour la suite, il va y avoir un paquet de pilotes à la recherche de conseils maintenant. Qui c'est qui va leur donner? Eh ben, personne m'a demandé mon avis, mais... Je crois que je l'ai, le candidat idéal. C'est toi, Tuck. Qui? Moi? Non. Je pense pas pouvoir faire ça. Pourquoi? Tu connais les pilotes, tu connais le terrain, qui pourrait faire ça mieux? Je sais pas. Bon, ok, je vais faire mon possible. Au moins jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Mais t'inquiète, je serai jamais très loin. Ah, tu nous manquerais trop sinon. C'est coup double. Tu sais, on fait pas ça pour l'argent. Et encore moins pour être connu. On a déjà assez de chance de pouvoir faire ce qu'on aime tous les jours.
Ah, si tu m'avais dit il y a des années que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ça, je t'aurais sûrement dit que t'étais cinglé. Et pourtant... Alors ok, on la gagne sûrement pas aussi bien que d'autres. Mais regarde autour de toi, il y a plein de façons d'être riche. Au final, ce qui compte dans la manière dont on court, c'est les challenges qu'on rencontre. Et ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, tu vois? Ça nous dit qui on est et de quoi on est capable. Ça nous montre si on a ce qu'il faut en nous pour faire face aux différents obstacles que la nature a créés. Franchement, ça amuse qui de suivre une route déjà tracée? Je peux pas dire que Wade va me manquer, mais il va bien falloir que quelqu'un le remplace. Je suis pas sûr d'être le plus qualifié, mais en tout cas, je tâcherai de pas trop vous décevoir. Petite récompense à aller chercher au QG. Théophraud, après avoir battu le boss. Est-ce qu'ils l'ont mis notre hélico? Ah tiens, mon positionnement a progressé, j'ai l'impression. Get to the chopper! J'aimerais trop pouvoir monter là-dedans. Tu dois avoir une de ces vues.